Alléluia. Amen. Notre Dieu est bon quand nous considérons tout ce qu'il a fait et que nous avons accepté de donner notre vie. Nous avons accepté de nous abandonner entre ses mains. Que pouvons-nous dire de Dieu? C'est que Dieu est bon. Nos vies sont entre ses mains. Notre histoire est entre ses mains. Oui, mon cœur est entre ses mains. Ton cœur est entre ses mains. Et nous avons constaté que lorsque nous nous abandonnons dans la main du Seigneur, que nous abandonnons notre cœur dans la main du Seigneur, Dieu, tout ce qu'il peut faire, c'est de nous bénir. Et j'ai dit que je veux vous faire revivre le RIA. En quelques temps, je veux vous faire revivre le RIA en quelques temps. Pour vous dire merci, merci pour votre soutien dans la prière. Merci pour votre présence. Oh, nous avons été puissamment bénis. Je veux rendre le témoignage d'une adoratrice, d'une de mes filles qui m'a dit: maman, au RIA, lorsqu'on rendait les témoignages, il y a une de mes filles, sœur du Bénin, qui avait témoigné, qui avait dit, je vous l'avais dit, qui suivait en ligne à partir de ma page Facebook un temps de louange qu'on avait initié, 6 jours pour nous préparer pour le RIA. Et elle avait une masse dans le sein. Et cette masse-là, elle allait en France faire des examens, biopsie, on ne voit rien, on ne trouve rien. Mais le sein grossit, elle a mal. Depuis des années. Et voilà que pendant la louange, quand nous étions en train de vivre la louange, on avait reçu des frères qui étaient venus de la Martinique pour le séminaire des intercesseurs. Une sœur qui a été instantanément guérie par le Seigneur. Et pendant que nous étions en train de louer, la sœur s'est rendue compte que Dieu venait de la guérir. Alors, l'autre qui est au Bénin en direct a suivi ce temps. Et elle a dit: Seigneur, ta main n'est pas trop courte. Tu peux me guérir. Et la même nuit, la douleur a disparu. Le lendemain, le sein est redevenu normal. Alors ma fille qui est en Côte d'Ivoire, pendant que cette dernière est venue du Bénin pour vivre le RIA, était sur le podium témoignant. Ma fille dit: elle a des douleurs à ses deux seins. Elle a mal. Et ma fille dit, pendant qu'elle parlait: moi j'étais dans les douleurs. Alors lorsqu'il y a eu cette pluie glorieuse, j'ai posé mes mains sur mes seins. J'ai dit: Seigneur Jésus, je crois que cette pluie qui tombe, ce sont tes gouttes de sang qui tombent sur moi. Voici les douleurs que j'ai. Mes seins ont changé de forme. Seigneur, j'ai mal. Guéris-moi. Et à ce RIA-là, après que la pluie soit tombée, nous avons continué. Elle dit: maman, depuis que je suis entrée à la maison, les douleurs ont disparu. Mon sein, les deux seins, sont revenus à la normale, la forme. C'est ça notre Dieu. Quand tu es un Dieu comme ça, tu n'as plus peur. C'est pourquoi David dit: même si une armée campe en face de moi, mon cœur reste calme. Il dit: malgré cela, si la bataille s'engage, je ne crains rien. Ce que je n'étais pas avant, Dieu m'a rendu aujourd'hui. Ce que je suis aujourd'hui, c'est Dieu qui l'a fait. Ce que je possède ne fait pas de Dieu ce qu'il est. Ce n'est pas parce que je suis riche que Dieu est puissant. Mais c'est la puissance de Dieu, c'est la toute-puissance de Dieu qui a fait de moi ce riche que je suis. C'est la toute-puissance de Dieu qui a fait de moi cette femme merveilleuse qui a des enfants mariés que je suis. C'est la toute-puissance de Dieu. Ma puissance, ma grâce, ce que je suis n'ajoute rien à la puissance de Dieu. Elle ne peut même pas changer Dieu. Dieu reste grand, Dieu reste fort, Dieu reste puissant. C'est pourquoi ce matin, où que tu te trouves dans ta voiture,
quelle que soit l'épreuve qui est venue s'abattre sur toi, sache que ton Dieu est le Tout-Puissant. Et que ce que Dieu attend, c'est que tu sois dans la joie. Mais pas une joie qui dépend de l'état, de l'environnement dans lequel tu te trouves. Mais une joie qui va au-delà de l'environnement dans lequel tu te trouves. C'est une joie que personne ne peut qualifier. C'est-à-dire que c'est ton âme lui-même qui est en joie. Parce que Dieu a décidé que tu sois son enfant dès le jour où tu as accepté Jésus-Christ. Alors ne dis plus, je n'ai personne, tu as quelqu'un. Elle a posé ses mains. Elle dit, j'ai attrapé mes seins pendant que la pluie tombait. J'ai dit, Seigneur, agis, sauve-moi. Et moi, je n'ai que ma voix pour dire au Seigneur, sauve mes frères. Je vous ai dit, actuellement, c'est le RIA que je vous fais vivre. Parce que toute l'année, ça sera le libère-moi. Et je crois que Dieu va nous visiter, Dieu va nous libérer. Elle a été guérie. Ce n'est pas la main de quelqu'un, mais c'est Dieu qui l'a visitée. Ah, quand je regarde ma vie, je sais que si je suis ce que je suis en ce moment, ce n'est pas parce que je suis forte, ce n'est pas parce que j'ai trop travaillé. Je ne suis jamais allée dans une école de musique. Donc, ce n'est pas parce que je me suis formée, non. C'est parce que Dieu est puissant que je suis ce que je suis. C'est parce que Dieu l'a voulu que je suis ce que je suis. C'est pourquoi, qu'il que je sois épuisé ou pas, que ma voix soit fatiguée, aujourd'hui, ça ne dépend pas de la qualité de ma voix, mais ça dépend de la qualité de mon cœur. Je veux que ce matin, un adorateur, une adoratrice comprenne une chose. C'est Dieu qui fait de nous ce que nous sommes. Mais nous aussi, nous devons voir même ce que nous sommes. Comment tu te vois ce matin? Est-ce que tu te vois comme quelqu'un qui est toujours défaitiste, quelqu'un qui va... C'est-à-dire, parmi vous, il y a certains qui, même quand ils ont un projet, ils n'ont même pas encore monté le dossier, ils disent déjà que ça ne va pas marcher. Et ce qui fait qu'il y a des adorateurs, ils ne peuvent pas entrer dans le foyer. Parce que déjà, à cause du problème que l'autre vit, elle se dit elle-même là, quand elle va rentrer, peut-être que ça ne va pas marcher. D'autres même ne se voient même pas être promus. Parce qu'ils se disent que ça ne peut pas marcher. Mais c'est un Dieu qui est fort, qu'on adore. Moi, je n'aurais jamais imaginé que Dieu m'aurait positionné. Peut-être que quelqu'un peut dire, oh non, mais attends, c'est parce que tu es forte, tu as ton talent. Non, même le talent que j'ai, c'est Dieu qui me l'a donné. Il y a des gens qui ont des talents plus extraordinaires que ce que j'ai. Mais c'est Dieu qui l'a fait pour moi. Alléluia. Oh, ça y est. Wadia, wadia. Mignon, mignon, ça y est, adia, wayo, mignon, c'est Nancy, wadia, wayé, mignon, mignon, c'est Nancy, adia, wayo. Jesus, yeah, Jesus, I'm not.
faire. À le remercier. Oh oui, le remercier. Le remercier. Ce qui dit ce que je veux faire. De ma vie, je sais que ce que je suis, je te le dois, Seigneur. Merci, Seigneur. Parce que je ne suis pas issu d'une famille riche, mais tu as mis dans mon cœur, comme tu l'as mis en chacun de tes enfants, la force du lion, de savoir que je suis aimé de toi. J'ai découvert que je suis aimé de toi. J'ai découvert que ce n'est pas là où je suis né qui détermine ce que je dois devenir. J'ai découvert que ce que je dois devenir est déjà inscrit dans ton livre de vie. Te remercier, c'est tout ce que je veux. Car tu as fait de moi une personne que le monde entier connaît. Ô Seigneur, te remercier, c'est tout ce que je peux retenir, tout ce que mon être peut exprimer. Car je n'avais rien, je n'étais rien, mais tu as fait de moi quelqu'un. Te remercier.
étant au chômage, tu m'as donné la grâce de travailler et te remercier. Je veux que quelqu'un bénisse le Seigneur. Car le psalmiste dit: bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Car celui qui t'arrache à la maladie et à la mort. Ah, je veux lui dire merci. C'est pourquoi je veux que tu sois dans la joie. Ah. Hey. Ah. Cette partie, nous tous étions dans la joie. Chacun a commencé à danser. Ah. Je glorifierai mon sauveur, roi des rois. Celui qui m'a donné la joie que j'ai. Merci Seigneur. Celui qui m'a donné le sourire que j'ai ce matin. Merci Seigneur. Celui qui m'a donné le travail que moi j'ai. Merci Seigneur. Celui qui m'a donné le taxi que moi j'ai. Merci Seigneur. Oh Seigneur mon Dieu, je te dis merci. Merci Seigneur. Adonai, je te dis merci. Merci Seigneur. C'est toi qui m'as donné cette place pour ventre marcher. Merci Seigneur. C'est toi qui m'as donné et la joie que je cherchais. Merci Seigneur. Oh Seigneur mon Dieu, je te dis merci. Merci Seigneur. C'est mon libérateur, je te dis merci. Merci Seigneur. Oh,
Seigneur commence à bénir son nom. Ah Dieu. Merci Seigneur, nous bénissons ton nom encore une fois. Nous ne cesserons de te rendre grâce et de te dire merci. Je suis béni parce que mon Dieu fait de grandes choses. Et je prie que Dieu vous bénisse. Nous ne sommes que à la première partie. Nous avons vécu ça à la première partie. Et que ce rire-là, que tu l'aies vécu ou pas, que le bénéfice de la bénédiction de la grâce qui est rattaché à ce rire tombe sur ta vie. Je veux te dire quoi? Tu as un Dieu qui est puissant. Ne te décourage pas. Ne change pas de position. Ne change. Tu n'as pas besoin de changer d'église. Une fois que tu t'es donné à Jésus-Christ, donne-toi entièrement. Ce n'est pas quand tu vas changer d'église que tu vas être béni. Non, 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 non. Là, je suis en train de parler à quelqu'un. Reste là où tu es. Sois fidèle à Jésus. Voilà, parce qu'il s'agit de ta fidélité, de ta communion. Et que Dieu vous bénisse. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es bon, tu es bon.